Il y a des gens qui ont intérêt à appliquer les politiques économiques et sociales qui nous sont imposées par l'Union européenne. Si vous me le permettez, puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais montrer aux gens qui m'écoutent à quelle sauce nous allons être mangés si nous restons dans l'Union européenne. La sauce en question, c'est ça. Il s'agit d'un rapport qui est le rapport... On va montrer à l'image. Le rapport COM 330/2016, du 18 mai 2016, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique et sociale de la France au cours des années 2016 et 2017, et ceci en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit d'organiser une convergence des économies des États membres et d'essayer d'assurer la survie de l'euro. Alors, si on regarde ce document, qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend que la France, au cours de l'année 2016 et de l'année 2017, donc quel que soit le président de la République, que les Français éliront, sauf si c'est moi, puisque moi je propose de sortir de ça, mais quels que soient les autres, en particulier M. Mélenchon, je ne sais pas s'il va être candidat, il n'a pas encore ses parrainages, mais probablement il va l'être, Mme Le Pen, qui elle est candidate, M. Dupont-Aignan... Parce que Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan ont des idées qui peuvent être proches de vous, oui, par rapport à l'Union européenne. Sur certains aspects, c'est assez proche. Mais en revanche, ils proposent de renégocier les traités européens. Ils proposent d'entrer en négociation. Ça veut dire que s'ils étaient élus à l'Élysée, quand ils s'assieraient dans le bureau du président de la République, derrière le bureau, eh bien, ils entameraient peut-être une procédure de renégociation. Ça n'a rien à voir avec moi, qui entame tout simplement la sortie. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans quoi ? Dans une procédure qui va durer des années. La Convention sur l'avenir de l'Europe avec M. Giscard d'Estaing avait duré plus de 2 ans. Pour d'ailleurs, c'était la montagne qui a couché d'une souris. Donc, d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne peut pas renégocier les traités européens, sauf sur des points virgules. Regardez, M. Jospin, en 1997, il avait promis aux Français de renégocier le critère de Maastricht. C'était là-dessus qu'il avait obtenu une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a rien pu renégocier du tout. Il est allé, en période de cohabitation, il est allé avec Jacques Chirac en Allemagne. Il a rencontré le chancelier d'Allemagne, M. Schröder, à l'époque, qui a dit « Nein ». Il ne veut pas. Ben, l'Allemagne ne voulant pas, comme il faut l'unanimité de tous les États membres pour modifier un traité, bien M. Jospin et M. Chirac sont revenus en France. M. Jospin est passé à la télévision pour dire « Ben voilà, l'Allemagne ne veut pas ». Mais on savait à l'avance. Donc en fait, il avait manipulé l'opinion. M. Hollande a refait le même coup en 2012. En 2012, M. Hollande a dit « Si je suis élu, je vais renégocier le TSCG ». M. Mélenchon avait dit avant le premier tour qu'il fallait absolument renégocier le TSCG, qui serait intraitable sur cette question, etc. Et puis, rappelez-vous ce qui s'est passé à l'issue du premier tour en 2012, à 20h37, M. Mélenchon a dit « Je me désiste pour M. Hollande, je ne demande rien ». C'était une défaite, une capitulation race campagne. Résultat, M. Hollande a été élu président de la République, il n'a même pas fait semblant de renégocier le TSCG. Donc moi, ce que je dis, c'est que Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan et M. Mélenchon lui proposent un plan A, un plan B, je ne sais pas quoi. En fait, ils proposent quelque chose dont ils savent intérieurement que c'est absolument inapplicable. Parce que pour changer les traités, il faut obtenir l'accord unanime de 28 gouvernements, puis de 28 peuples, sous forme pour la ratification, soit par le Parlement, soit par référendum. Ça fait 56 accords unanimes. Donc la seule solution, c'est la sortie ? Oui, la seule solution, c'est la sortie, mais... Je voudrais quand même me permettre de terminer ce que j'avais vous montrer, parce que je voudrais vous montrer, là, aux gens qui vous suivent et qui nous écoutent, je voudrais qu'ils aillent se procurer, c'est sur notre site internet, ils le trouveront, je voudrais qu'ils aillent, ou ils peuvent aller le trouver d'ailleurs sur le site de la Commission européenne, ils y verront que ce qui est demandé, qui est exigé par la Commission européenne pour 2017, c'est la correction du déficit excessif en 2017 ou plus tard, ça veut dire la poursuite de la politique de rigueur. Ça fait 25 ans qu'on poursuit la politique de rigueur, avec des résultats d'ailleurs qui sont catastrophiques. Ensuite, il faut réduire le coût du travail, notamment avec les évolutions minimum, du salaire minimum qui doit être compatible avec la compétitivité. Que veut dire ce charabia ? Ça veut dire qu'il va falloir supprimer le SMIC, ou qu'il va falloir baisser le SMIC. C'est-à-dire qu'il faut appauvrir les Français. On continue, réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que les CDI, actuellement, vous savez que si vous bénéficiez d'un contrat à durée indéterminée, vous ne pouvez pas être viré du jour au lendemain. Vous avez droit à des préavis, qu'avec des plusieurs mois de préavis, vous avez des indemnités. Quand la Commission exige qu'on réforme le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée, ça veut dire que ces contrats à durée indéterminée deviendront en fait des contrats précaires, où vous serez embauché a priori sans date limite,
mais où vous pourrez être viré du jour au lendemain, à l'américaine, exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et l'on poursuit. Une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la viabilité budgétaire, on va diminuer les prestations chômage. Encourager le retour au travail, ça veut dire qu'au bout d'un ou de deux refus, eh bien, on vous supprimera vos prestations chômage. Et on continue avec également la demande qui est faite d'éliminer les obstacles à l'activité, notamment dans les professions réglementées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va déréglementer toutes les professions. C'est l'ubérisation de la société française. Vous savez, la loi El Khomri, la loi Macron, c'était pas El Khomri ou Macron. En fait, M. Macron ou Mme El Khomri appliquaient tout simplement les directives de ce rapport sur les grandes orientations politiques et économiques. C'est très grave ce qui se passe. Parce que les professions réglementées, vous savez ce que c'est ? C'est les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les artisans taxis, les experts comptables, j'en passe et d'autres. Eh bien, leur profession déréglementée, ça veut dire que bientôt, ils entreront en concurrence avec des notaires, des médecins, des avocats qui seront polonais ou roumains, qui pourront venir exercer en France et qui seront payés de façon, qui accepteront des salaires très inférieurs et avec des charges sociales qui seront celles du pays d'origine, des directives des travailleurs détachés. Ça veut dire qu'on va vers l'appauvrissement généralisé de ces professions. J'attire ici l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent, parce que parfois vous avez des avocats, des notaires, c'est la catégorie aisée de la population qui étourdiment se disent « je vais voter Macron parce que c'est à la mode ». Mais M. Macron, c'est ça son programme. C'est d'ailleurs le même programme pour M. Fillon, pour M. Hamon. Et puis laissez-moi terminer encore cette revue, puisque le cinquième alinéa de ce dossier précise que la France devra baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Très concrètement, ça veut donc dire que Madame Dupont, qui est une retraitée, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est au minimum vieillesse, quand elle ira acheter sa baguette de pain le matin, tous les matins, elle paiera 2-3 centimes de plus de TVA. Mais à l'autre bout de l'échelle, eh bien, l'émir du Qatar, par exemple, qui a 4,9% du capital de Vinci, eh bien, lui, on aura moins d'impôts sur les sociétés, il aura plus de dividendes. Voilà ce que ça veut dire. C'est totalement injuste du point de vue social. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que certains, même parmi les gens qui m'écoutent, peuvent considérer qu'ils sont favorables à telle ou telle de ces dispositions. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas favorable, mais je peux concevoir que certains estiment, par exemple, c'est vrai qu'en matière d'assurance chômage, peut-être parfois des gens tirent un peu sur la corde. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que ce ne soit pas les Français qui décident. Ce que je trouve scandaleux, c'est que ni M. Fillon, ni M. Macron, ni M. Hamon, ni M. Mélenchon, ni M. Dupont-Aignan, ni Mme Le Pen d'ailleurs, ne disent ce qu'il y a là-dedans et dans les traités européens. Et ce qui est scandaleux, c'est donc que nous avons une élection présidentielle où on émit quelqu'un qui ensuite sera obligé d'appliquer cette politique, que cela nous plaise ou pas.